Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un acte de reconnaissance envers un ami de la Guinée, le professeur Alfred Georges Kizerbo est élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite, une distinction qu'il reçoit du président de la transition pour ses 5 ans de bons et loyaux services. Conakry, ville propre, le programme suit son cours. Les groupes Al-Bayrak et Pichini exécutent le projet national d'assainissement de la capitale. Tous les ingrédients semblent réunis sauf le civisme de certains citoyens. Le Parlement de la CEDEAO se dote d'un budget exercice 2022. Les travaux se sont ouverts hier au Ghana. Nous retrouverons tout à l'heure sur place notre envoyé spécial Abdoulaye Diallo pour savoir à combien s'équilibre ce budget et comment il sera constitué. Voilà pour les titres. C'est un ami de la Guinée qui vient de boucler 5 ans de mission à Conakry, le professeur Alfred Georges Kizerbo, représentant pays jusque-là de l'OMS, a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous propose de suivre le film de la cérémonie avec Ansouman Toumani Camara. Professeur Alfred Georges Kizerbo, au terme de 5 ans bien remplis, quitte la tête de la représentation du bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. 5 ans de réformes réussies, mais aussi 5 ans de contributions notables dans l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Professeur Kizerbo s'est aussi fait remarquer auprès des autorités guinéennes dans la lutte ardue contre les épidémies d'Ebola, de méningite, de rougeole, de fièvre jaune de Marbourg et de la pandémie du coronavirus. La Guinée, nation reconnaissante, sous la direction éclairée du colonel Mamadi Doumbouya, récompense tous ses efforts à travers cette distinction de la grande chancellerie des ordres nationaux. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné au professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, pour le service rendu à la nation guinéenne. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, grand maître des ordres nationaux de Guinée. À cette cérémonie de décoration, le président de la transition avait à ses côtés le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du cabinet de la présidence de la République et des membres du CNRD. L'heureux bénéficiaire de cette distinction de la République, accompagné de son épouse et en présence de l'ensemble des responsables du bureau pays de l'OMS et du ministère de la Santé, s'est réjoui des efforts des autorités guinéennes dans l'amélioration de la santé des populations. C'est avec une grande et une profonde humilité que je me tiens ici aujourd'hui dans ce palais de la République de Guinée, République de Guinée, qui me fait aujourd'hui, en tant que représentant de l'OMS, l'insigne honneur de cette reconnaissance, de cette grande distinction. Comme je disais il y a 2 ou 3 jours, lors d'une autre célébration, la Guinée est une seule famille. Et je l'ai appris pendant mon séjour ici, vu l'indissolubilité des liens qui lient toutes les communautés de la Guinée. Je voudrais rendre hommage à ma famille biologique, représentée ici par mon épouse, et avoir une pensée pour mes parents qui, il y a plus de 60 ans, avaient volé au secours avec d'autres panafricanistes pour aider la Guinée isolé après le nom historique d'octobre ou de septembre 1958. La santé n'est donc pas un élément isolé. Elle doit être prise dans sa globalité, dans tous ses liens avec ses différents autres objectifs de développement durable. Et c'est ce que l'OMS s'attache
depuis les années de l'indépendance de la Guinée à faire à travers 4 programmes bientôt successifs de coopération avec la Guinée. Ces programmes s'alignent avec les priorités nationales. Ils s'alignent avec les orientations des autorités nationales. Je voudrais à cet effet remercier les autorités de la Guinée encore une fois à travers vous, Monsieur le Président, la transition, chef de l'État, à travers votre gouvernement, à travers le CNRD et les institutions qu'ils mettent en place. C'est une opportunité ici de relancer le plaidoyer de toute la communauté des partenaires techniques et financiers de la santé pour les progrès en cours dans l'augmentation du budget accordé à la santé et aux services sociaux de base. La Guinée, autour de 10% aujourd'hui, va vers l'objectif d'Abuja et l'objectif de l'Union africaine qui ciblait 15% au moins des dépenses de santé dans le budget national, 15% alloué à la santé. Donc nous voulons féliciter ces avancées et encourager à la poursuite de ce progrès-là. Dire aussi que mon successeur, Dr Casimir Manengou, qui est ici présent, est disposé avec toute l'équipe de l'OMS, avec toute l'équipe du système des Nations Unies, à accompagner la transition, en particulier les 3 dernières années du plan national de développement sanitaire 2015-2024. Donc nous avons 2022-2024 à couvrir. Nous serons à vos côtés et moi-même, de là où je serai, je garderai la Guinée dans mon esprit, dans mes interactions et dans toutes mes actions pour aider à ce que les objectifs fixés, les priorités fixées sous votre haute autorité et celle de votre gouvernement puissent être atteints. Arrivé en novembre 2016 en Guinée, le désormais ancien représentant du bureau pays de l'OMS, outre la mobilisation des ressources financières, s'est aussi fortement impliqué dans l'appui gouvernance de son institution. L'OMS Guinée, d'un système centralisé, est passé à la déconcentration de ses services. Et les résultats retiennent l'attention des autorités guinéennes. En ce moment solennel, je tiens, au nom du président de la transition, à vous exprimer, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la santé, notre reconnaissance et notre gratitude pour les immenses services rendus à la nation guinéenne. C'est à ce titre que vous êtes décoré aujourd'hui. Votre rôle a été déterminant durant les différentes périodes de crise sanitaire qu'a connu notre pays, à savoir l'épidémie du virus Ebola et maintenant le Covid-19, qui ont impacté les activités économiques et sociales de notre pays de façon très négative. Au nom du peuple de Guinée, nous vous réitérons notre reconnaissance pour vos loyaux services et les efforts consentis à l'amélioration de notre système de santé aux côtés de nos vaillants personnels de santé. Je voudrais terminer en vous souhaitant plein succès dans votre nouvelle mission. Je reste convaincu que l'Organisation mondiale de la santé continuera à rester à nos côtés pour faire face aux défis de santé publique à venir. La cérémonie de décoration du représentant du bureau pays de l'OMS a connu la présence du consul du Burkina Faso, pays d'origine de professeur Kizerbo, et de nombreux autres acteurs du système sanitaire et des institutions partenaires. Dans le palais Mohamed V, un banquet offert par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a été la dernière étape de cet exercice de reconnaissance de la Guinée à l'endroit de professeur Alfred Georges Kizerbo. Santé, Agnès Dine, les plateaux techniques d'ophtalmologie et d'ORL bénéficient d'équipements modernes. L'objectif est de contribuer à la prévention de la cécité et de la sourdité. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à Conakry. Mamadi Terna Kamisoko. À l'hôpital Agnès Dine, le Lions Club International perpétue une tradition d'une dizaine d'années.
Chevalier de la vue depuis 1925, l'Organisation humanitaire internationale vole au secours de deux services de référence, l'ophtalmologie et l'ORL. Le premier bénéficie d'un mobilier de cabinet ophtalmologique complet et le second d'un ensemble d'équipements et de mobilier de cabinet ORL. Coût du don, plus de 150 millions de francs guinéens. Pour avoir ce matériel de pointe pour pouvoir bien poser le diagnostic des hypoacousies, savoir est-ce que c'est une surdité qu'on peut guérir ou c'est une surdité qu'il faut appareiller ou opérer, c'est quelque chose d'inestimable. Avec les travaux de rénovation de Donka, les deux services connaissent un taux de fréquentation autour de 100 patients par jour. Avec l'acquisition de ces équipements, Ignace Dine peut davantage répondre aux attentes des populations. Notre mission est de promouvoir le service humanitaire, de valoriser et de redonner la dignité aux personnes les plus démunies de nos communautés. En Guinée, depuis mars 2014, nous sommes à notre 11e conteneur de dons de matériel de consommables hospitaliers à l'endroit de nos structures hospitalières et à nos populations vulnérables. Prévenir la cécité et la sourdité et surtout améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures de soins est l'objectif visé par les deux parties. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous puisque vous venez améliorer le plateau technique de nos structures, que ce soit l'ophtalmologie ou l'ORL. Mais déjà, entre le Lions Club et l'hôpital national Ignace-Dine, il y a un partenariat qui s'est créé depuis longtemps. Et je crois qu'au-delà de ce partenariat, c'est un partage de vision. Ces équipements ont été obtenus grâce au leadership de Medical Lions Club de France, une organisation qui œuvre dans le domaine humanitaire, notamment la santé publique. Elle assure le pont entre les donateurs du monde et les lions pour le bien-être des populations vulnérables. Et puis ce communiqué qui nous vient de la présidence de la République, direction du protocole d'État. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée-Bissau, Son Excellence Général d'Armée Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, effectuera à partir du mercredi 20 octobre 2021 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Ministre secrétaire général de la Présidence, Monsieur le Ministre directeur de cabinet de la Présidence, Monsieur le Chef d'État-major général des armées, Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, marine et de l'air, messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques, consulaires et les représentants des organisations internationales, madame la gouverneure de la ville de Conakry est signée de la direction du protocole d'État. La valorisation du Made in Guinée, un salon se prépare pour mettre en lumière les productions locales. L'événement débutera à Conakry le 26 octobre. 4 jours d'exposition, vente pour bien sûr découvrir ou redécouvrir ce que la Guinée offre culturellement au monde. Mounir Barry. La conception, la transformation, la promotion et la commercialisation de productions locales à travers la labellisation constituent des priorités pour ses promoteurs. Pour gagner ce pari, de nombreuses activités sont prévues pendant la première édition du Salon de production locale. Ce Salon Label Guinée se tiendra du 25 au 30 octobre prochain à Conakry. Nous avons de plus en plus de productions compétitives, mais à l'échelle de ce qui se fait dans les autres pays, nous avons encore du chemin à parcourir. Nous avons du chemin à parcourir parce que sur certains aspects, on répond aux normes internationales, mais sur bien d'autres, il y a des choses
à améliorer. Pour que le consommateur guinéen puisse davantage s'intéresser aux produits guinéens, mais pour que ces produits guinéens puissent bénéficier d'une visibilité leur permettant d'exporter ce qui est fait en Guinée. L'objectif de ce salon, c'est aider ces producteurs-là. On produit des choses en Guinée qui ne sont pas insuffisamment connues à l'extérieur, qui ne répondent pas à un certain nombre de standards. C'est pour ça que la question de la labellisation est importante. La labellisation, c'est faire que les productions guinéennes de produits et de services répondent à un certain nombre de critères et de standards. Le salon Label Guinée bénéficie déjà de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La valorisation des produits locaux et en particulier la question de la certification et de la labellisation des productions locales est au cœur du développement économique et de la diversification économique en Guinée. Et les jeunes sont des acteurs majeurs dans la valorisation des produits locaux, dans l'innovation et dans le faire savoir des savoirs traditionnels. Dans l'agenda des organisateurs figure la formation à travers des panels, les tables rondes et les prestations artistiques. Une façon d'inciter les acteurs à promouvoir les productions traditionnelles et locales. Assainissement de la ville de Conakry, la capitale retrouve le sourire depuis bientôt un an. Les sociétés Albayrak et Pitchini se relaient sur le terrain pour une meilleure gestion des ordures. Mais un constat demeure préoccupant, le manque de civisme de certains citoyens. Mohamed Lamine Camara. Sur le terrain, le système de pré-collecte est pris en charge par les jeunes. Le ramassage et le transport des déchets pour la décharge sont assurés par l'entreprise Albayrak. Ce schéma actuel de ramassage des ordures est un des segments des principes directeurs de la stratégie de professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, le projet touche toutes les communes de Conakry. Pour l'instant, les zones d'intervention sont bien définies. De Kaloum jusqu'à dans les quatre autres communes, les petits bacs à ordures sont installés le long des artères. Vous avez constaté que la capitale est très propre. Donc, nous avons d'abord commencer à resserrer les relations avec ces opérateurs professionnels pour éviter un jour qu'il ait arrêt d'activité de leur côté. D'abord, Albayrak, c'est une société qui est chargée de la collecte des ordures et acheminée jusqu'au niveau de la décharge. Et Pisciné est chargée de la décharge. Nous avons adopté une stratégie, c'est d'être confondu à cette société par rapport à l'assainissement. Toujours dans le cadre du respect des clauses du contrat. À travers le ramassage quotidien, les dépôts d'immondices disparaissent peu à peu le long des grandes artères publiques. Dans les zones que sont installées les poubelles publiques, certains citoyens s'habituent à leur utilisation. Avec ce projet d'assainissement urbain, le gouvernement entend encourager le civisme des Conakrykas. Malgré tous ces efforts, il y a encore de mauvais élèves dans les communes. C'est l'une des rares fois où un projet pratiquement réussi à 100%. Il faut lancer un appel à la population pour observer les règles d'hygiène, ne pas jeter les ordures partout. Les poubelles sont à cet effet placées à des niveaux. Chacun peut garder même une peau d'orange jusqu'à la prochaine poubelle. Il faut que ça soit culturel dans nos comportements. À ce jour, le dispositif de transfert des ordures vers la décharge de la minière est soutenu par 74 camions de l'entreprise turque. Selon le ministère en charge de l'assainissement, cette stratégie de professionnalisation va s'étendre dans le futur sur les communes urbaines des régions de l'intérieur du pays. Un débat franc et direct entre Guinéens et Allemands. La rencontre s'est tenue à Dortmund, en Allemagne. Le thème central, c'est l'immigration et ses conséquences. Les deux parties en ont profité pour apprendre l'une de l'autre sur le plan culturel. Des images commentées par Moussa Bangoura. La coopération entre la Guinée et l'Allemagne se renforce davantage. Ici, à Dortmund, c'est une conférence débat qui est organisée à l'intention des Guinéens vivant en Allemagne. Avec le concours des partenaires allemands, les échanges ont porté sur les causes et conséquences de l'immigration des Guinéens et leur droit de séjour en Allemagne, l'histoire, la géographie et la culture guinéenne.
L'objectif de notre association, c'est vraiment d'expliquer vraiment non seulement à nos frères qui vivent ici les difficultés ou bien comment ils vont s'en sortir dans la procédure d'asile, c'est de montrer une autre face. Des Guinéens qui vivent en Allemagne. Et ce genre de rencontre, c'est toujours bien parce que parfois, ça, pourquoi ? Parce que ça amène, ça renforce en fait les liens entre nous. Ces jeunes gens que vous avez vus là, qui n'ont pas encore le niveau que nous on a, donc ça les encourage. La rencontre est initiée par l'association des Guinéens et Amis pour la promotion du sport et de la culture. L'objectif visé est de promouvoir la culture guinéenne. Ça m'intéresse très bien parce que la situation à Guinée est toujours quelque chose en regard ici. L'histoire de la Guinée, mais aussi de la politique guinéenne aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a regardé une vue des citoyens de Guinée qui sont ici. Je travaille pour les jeunes qui veulent rester ici en Allemagne, à Dortmund, et pour ça je veux bien que... comprendre pourquoi il vient ici, pourquoi il veut rester. Ce cadre de partage d'expérience a permis à ces Allemands d'être mieux édifiés sur l'histoire politique guinéenne depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, mais aussi sur les ressources minières dont dispose la Guinée. Hier, le Parlement de la CEDEAO a ouvert sa deuxième session extraordinaire de l'année au Ghana. Principal point à l'ordre du jour, l'adoption d'un budget de fonctionnement pour l'exercice 2022. Un budget qui sera entièrement consacré à la lutte contre le coronavirus. Envoyé spécial, Abdoulaye Ninguilande Diallo. Conformément aux consignes relatives à la préparation du budget 2022 pour toutes les institutions de la CEDEAO, la priorité est accordée aux programmes ayant un impact direct et des effets durables sur les États membres. Cela tient compte surtout des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 et des problèmes sécuritaires que traverse la région. Les résultats enregistrés par rapport au COVID, ce n'est pas qu'il y a un enrayement total du COVID, mais bien au contraire, il y a une stagnation en partant de cela. Donc, il n'y a ni accroissement de recettes au niveau de nos pays, ni accroissement du budget au niveau du Parlement. Voilà, c'était un budget d'austérité auquel vous avez assisté et c'est cela qui a été adopté ce matin ici. En tant que représentants des communautés, ces députés sont appelés pour l'heure à faire face à plusieurs préoccupations à cause des changements fondamentaux qui s'impose dans tous les domaines. Au regard de ces changements, des efforts sont encore à fournir dans les domaines comme celui des libertés civiles, de l'état de droit, de l'obligation de rendre compte et du développement économique. Essentiellement, nous avons accès sur le renforcement de la démocratie. Les textes de l'acte additionnel sont clairs. Vous avez deux mandats à faire, vous faites deux mandats. Quelle qu'en soit votre détermination de travailler pour votre peuple, il faut passer le témoin. Dans son allocution, le président du Parlement de la CEDEAO invite les députés à faire preuve de leadership. Car pour lui, il reste et demeure une lueur d'espoir pour la sous-région, surtout en ces temps difficiles marqués par l'instabilité politique dans certains États membres. Économie, l'actualité, ce sont ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les travaux se tiennent par téléprésence. Hier matin, la Guinée a dû aborder quelques questions de gouvernance politique, économique et monétaire. Le FMI annonce le maintien de sa collaboration avec Conakry. Boubacar Ba. D'entrée de jeu, le directeur du département Afrique au Fonds monétaire international s'est réjoui de la compréhension des nouvelles autorités de la transition à poursuivre le dialogue avec son institution avant d'écouter le gouverneur suppléant de la Guinée au Fonds monétaire sur les préoccupations du pays dans le cadre du partenariat avec son institution. Dr Lucien Nabé a réitéré la volonté du président de la transition et de son premier ministre de poursuivre les réformes économiques, financières et monétaires par la mobilisation accrue des recettes, une meilleure gouvernance financière, un vaste programme de désendettement du trésor à la Banque centrale et la lutte contre la corruption. Des actions contenues dans le message du président de la République dans son discours d'orientation le 5 septembre dernier. En réponse, le directeur général du département Afrique au Fonds monétaire a formulé les conseils à l'endroit des nouvelles autorités de faire en sorte que durant cette transition,
l'État navigue avec prudence en gelant les pressions financières et surtout les décaissements extérieurs, en particulier vis-à-vis des créances fantaisistes que beaucoup de sociétés peuvent vous présenter. Il souhaite que les nouvelles autorités se méfient des prêts très attrayants et de privilégier les financements concessionnels de manière à renforcer la stabilisation macroéconomique. Le numéro 1 du département Afrique du Fonds monétaire a invité le chef de l'État à promouvoir la bonne gouvernance et à faire en sorte que la richesse minière importante de ce pays bénéficie à sa population. Dans le court terme, tout programme de politique économique avec son institution doit reposer sur la transparence dans la gestion du secteur minier. Pour y parvenir, la directrice adjointe du département Afrique a souligné la disponibilité du Fonds monétaire à aider à développer les capacités de l'administration financière et économique du pays de manière à renforcer les réformes. Le gouverneur de la Banque centrale, au nom des nouvelles autorités et des secrétaires généraux des finances, du plan et du budget, a indiqué que la partie guinéenne accorde un intérêt particulier aux différents points soulevés par la direction du département Afrique du Fonds monétaire. Luceni Nabe a dit son engagement et sa détermination de transmettre aux nouvelles autorités de la transition les conclusions de ses travaux. C'est un livre qui était très attendu. Il aborde de façon sérieuse et détaillée la politisation des administrations publiques en Afrique. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage. L'auteur Mamadou Gandoba est un des conseillers économiques au ministère des Finances. Il sait de quoi il parle. Le point avec Mohamed Troy Camara. La politisation des administrations publiques en Afrique, l'un des derniers ouvrages préfacés par Stéphane Barlerin chez l'Harmattan Guinée. L'œuvre est le fruit de plusieurs années d'expérience dans le domaine financier et administratif. En sa qualité de conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances, l'auteur a su bien récapituler les observations et remarques. À travers ce livre, j'ai voulu un peu dénoncer les causes, les principales causes qui font que les administrations publiques de certains pays africains sont très politisées. Donc j'ai essayé de ressortir les caractéristiques de cette politisation et les conséquences. Et puis, à la dernière partie du livre, j'ai dégagé des pistes de solutions, puisque, comme vous le savez, la politisation des administrations publiques constitue un véritable frein au développement du continent. Cette œuvre qui dépeint les réalités de l'administration publique est bien appréciée par des hommes de lettres et de culture. Et je pense que sa démarche doit guider toute l'élite, afin que chacun de nous témoigne au présent ce qu'il vit, ce qu'il conteste et ce qu'il approuve. À mon avis, c'est la meilleure façon de faire développer notre pays. La maison d'édition a trouvé dans l'ouvrage de ce jeune économiste administrateur financier était de la matière à mettre à la portée du public. C'est une étude critique et en même temps une proposition de solution pour nous permettre de sortir de l'ornière. Parce que une administration est une organisation qui doit aider au développement. Et donc, ceci réclame les compétences, et la loyauté et un certain nombre de valeurs pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Mamadou Gandoba, la quarantaine, est un produit de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et plusieurs écoles de la France avant de devenir conseiller économique au ministère de l'Économie et des Finances. On va revisiter le passé pour penser à un homme, une grande figure du journalisme guinéen, Ben Daouda Sylla. Il nous a quittés il y a un an, mais son héritage est toujours là. Beaucoup de ses amis se souviennent encore de cette belle voix radio qui le caractérisait. Mohamed Seyar Souma. Un an déjà que Ben Daouda n'est plus de ce monde, la mort de BDS, comme on le surnommait, est célébrée. La salle affiche complet, c'est une mobilisation tous azimuts. Amis, collègues et proches, surtout la famille biologique. Par sa régularité dans le journalisme, son épouse a fini par embrasser le milieu médiatique. Un réel soutien pour son mari. Je suis une de mania, parce que quand j'ai amené Ben à leur réunion, ils m'ont applaudi. Ils m'ont dit, c'est toi qui as amené Ben, donc tu restes avec nous. Je les remercie tous, parce qu'ils ont été mes amis. Et ils resteront mes amis. Ils resteront Ben Daouda dans ma vie. L'illustre disparu symbolisait le professionnalisme. De l'école normale de Manéa jusqu'à son parcours remarquable, à la fois à la Radio Africa numéro 1 et à la RTG, puis à l'Agence guinéenne de presse, respectivement promu directeur général.
journaliste à la plume inspirante, l'humilité constamment incarnée, voilà autant de qualités qui font l'unanimité. Qui, pour dire mieux, d'autres professionnels de la presse guinéenne. Ben me donnait l'impression que c'était moi le meilleur. Et il l'a traduit avec tout le monde. Pendant ce temps, je voyais en l'homme un excellent journaliste avec qui il fallait compétir pour avoir l'appréciation du public pour lequel nous exerçons tous les jours. Encore une fois, madame, soyez encore plus brave, comme vous venez de le vivre. Ben n'est pas mort, il est parmi nous. Par la force de son talent, par le génie de son imagination et par la fidélité qu'il a incarnée aux yeux de ses amis qui nous entourent ici et nous qui vous entourons aussi. Ce sont entre autres les hommages renouvelés à l'endroit de BDS. D'autres icônes présentes à la rencontre ont également reçu les honneurs. Ce devoir de mémoire, la famille biologique de Ben Daouda Sylla le vœu perpétuel. Adore en paix Ben Daouda Sylla, on ne t'oubliera pas de sitôt. Et pour boucler cette édition, on revient sur ce communiqué qui nous vient de la présidence de la République, direction du protocole d'État. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée-Bissau, Son Excellence Général d'Armée Omaro Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État commandant suprême des forces armées, effectuera à partir du mercredi 20 octobre 2021 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Monsieur le Chef d'État-Major des Armées, Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, marine et de l'air. Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature. Mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques, consulaires et les représentants des organisations internationales. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, signée de la direction du protocole d'État. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.